C'était au loin, je t'entendais comme si t'étais au loin. Je sais pas si t'as fait un truc à ton micro ou quoi. Là, je t'entends bien. Non. Si tu me dirais, il est peut-être un peu plus de la gorge. C'est peut-être ça le truc. Ah, c'est possible. Ça, c'est possible. La dernière fois, il était plus au niveau de la bouche. Bah, encore là, ça va. Parce que moi, c'est surtout ce micro là du casque que tu m'avais récupéré. Ben, ça capte pas les sons extérieurs, et dès que tu mets le micro proche de ta bouche, ça s'entend super bien. Et ça capte pas trop les sons autour, tu vois. Parce que là, si t'entends pas ma console, par exemple, c'est que ça capte vraiment pas les sons autour. Parce que c'est bordel. Ouais. Pas un peu, là. Ouais, c'est dans l'oreille. Ah ouais, voilà. Putain. Et je me demandais si c'était pas ça aussi qui faisait que j'entendais moins bien, tu vois. Avoir un bruit de fond comme ça en permanence, du coup, ben... T'es moins concentré sur le son en général, quoi. T'entends tout le temps un bruit de fond, et c'est vrai que dès que ça arrête la console, enfin dès que j'arrête le jeu surtout, le silence que ça fait, putain, j'ai vu une guilde française qui recrutait, quoi. J'ai hésité à envoyer un message. Attends, parce que les guildes françaises en ce moment c'est la guerre. Ah ouais, bah, je me rappelle plus du blast de la guilde, c'était un nom chelou. Et il recrutait, il marquait PVE. Ah, il marquait pas PVP, tu vois. Elden Ring. Comment tu dis? Elden Ring. Ah non. Bah non, ça m'aurait marqué, ouais. Non, c'était un nom. Je sais pas, comme si c'était pas des Français. C'était écrit en français, mais le nom, ça me faisait pas penser à des Français, quoi. Mais par contre, tout était bien écrit en français, sans faute, tu vois, écrit bien, quoi. Donc, je sais pas. Si je la revois, je te dirai. Du coup j'ai pas donné suite encore, mais bah, je me tâtais, quoi. Je me suis dit en français ce sera peut-être pas mal pour parler dès le début ou quoi, mais bon, j'ai pas trop envie qu'il fasse le coup à mettre le micro, tu vois, constamment. Bah voilà, à mon avis il y a des grandes chances que les français ils t'invitent en partie. Après ça dépend, il y a beaucoup de guildes. Moi j'ai fait partie d'une guilde française à l'époque. Ils aimaient bien le micro, mais bon, c'était pas non plus. Ouais, tant que t'écris. Voilà. Bah oui, bah au pire, ce que je leur dirais, j'ai pas de micro, tu vois. Tu vois là, quoi. Ouais, l'autre soir, j'ai farmé au Touros, là. Le nouveau truc. Pour essayer de choper une flamme. Ah ouais, tu l'as eu du coup? Mon gars, c'était. Non. Non, mais j'ai eu 5 braises. Et quand t'en as 100, t'as une flamme. D'accord. Ah bah bon, c'était peut-être les braises, parce que tu l'as chopé les 36 alors. Voilà. Et ouais. Et tout ça. Bah ouais, parce que sinon, là, les gars, ils étaient riches. Bon. Tu m'étonnes. Et là, il y a Gust, là, je viens de voir, là, il a mis un message. Il avait mis une précommande là, d'une flamme, 2 milliards. Alors moi, quand j'ai vu le prix, moi, j'ai enlevé ma précommande, parce que 2 milliards, faut pas abuser pour un truc qui va redescendre de 3 ou 4 fois son prix après. 2 milliards. J'étais content tout à l'heure, là, parce que j'ai mis mon perso à s'entraîner, là. Ah putain, je suis content, j'ai reçu ma flamme de précommande, 2 milliards. Bah, j'avais envie de dire, bah tu m'étonnes. Ouais. Le nombre de précommandes qui ont été annulées quand ils ont vu le prix, que les mecs ils augmentaient. Mais là, bizarrement, ça augmente plus là. À mon avis, par la bise, ils ont dû mettre un plafond, quoi. Ils ont vu que le truc ça s'enflammait. Ils se sont dit, attends, on va faire en sorte quand même qu'il y ait un plafond, que ça mette pas. C'est pas impossible, ouais, parce que là, non, après ça, ça peut tout à fait gueule. Le truc qui va coûter plus cher que l'arme à la fin, quoi. C'est super. Au final. Ah, mais ouais. Plus cher que d'attendre et d'acheter l'arme après. C'est presque ça. Hein. Ça, c'est clair. C'est abusé. Oh, faut être patient. De toute façon, tu vas pas t'en servir tout de suite, t'as pas encore tous les autres matériaux. Non, c'est pour ça, c'est ce que je me suis dit, attends, je suis pas encore capable niveau 10, donc, bah les couilles, prends le moment. On t'aura tes 4 faces, là,
pourrais commencer à envisager un peu avant, tu vois. Voilà. Comme ça. Allez, mec, putain, 2 milliards, j'ai arrêté à Bordeaux. J'avais commandé à 1 milliard 8, déjà, ça me faisait chier. Ah ouais. Parce que ça faisait quand même presque 2 milliards. Mais bon, je m'étais dit, bon, allez. Et encore, je n'étais pas chaud, quoi. Et après, quand j'ai vu que c'était encore monté, j'ai dit, allez, stop. On arrête le carnage, là. On en une semaine, ça a doublé, quoi. En une semaine, c'est passé bien. Ah, mais semaine. Ça a triplé, même. Triplé le prix. C'est vraiment des ouf, quoi. Ça fait deux emplacements. Oh, putain. Et t'as vu que t'as une quête hebdomadaire qui te permet quand tu donnes deux auras concentrées de boss là. Ouais. Qui te donne 115 cristals concentrés de boss. Et il en faut pour faire l'armure en peine. Ça peut être intéressant, ça, carrément. Ouais. Et en fait, je me tâte, tu vois, parce que déjà, pour me faire une armure, je vais mettre 15 plombes. Donc j'ai vu, tu peux échanger le matos Tuvala là. Il propose aussi des hurugons. Donc je sais pas trop en fait. Je me tâte. Et c'est vrai que des petits hurugons en peine, ce serait pas mal quoi. À la place de. Ben, de l'armure des bêtettes, j'avais pris l'armure des bêtettes que je voulais monter aussi en C10. Pour ensuite échanger contre l'armure, mais bon, quand je vois le prix et le nombre de cafras pour monter en C10, si tu dois le faire deux fois, oui. Mais de toute façon, les urugons, il faudra aussi les monter, du coup, au final. Il faudra les monter, mais bon, une fois qu'elles seront en peine, moi, ça me permettrait de revendre les miennes, quoi. Faut que t'essayes de voir le plus rapide et rentable en même temps. T'essayes de faire un petit calcul, tu vois, et t'essayes de voir ce qui est le plus rapide et rentable. Mais oui, sinon c'est sûr de gros pour en peine. Oui. C'est de la valeur sûre, ça aussi. Ah, j'ai vu, même le casque, il propose du griffon, alors qu'à la base, il proposait que le Giat. Que des chaussures de Muscan, que l'armure de nez rouge, et là tu vois ils ont rajouté des trucs. Et je me dis merde putain, quand j'ai vu les chaussures du Rugon, j'ai fait merde putain, c'est pas mal ça quand même. Ouais. Bah si t'as déjà en plus une armure tu vois, plutôt qu'on va en faire une deuxième, oui, autant faire les chaussures. Ouais, c'est ça, c'est bon quand je vois le nombre de cafras pour monter en C10. Mais par contre, c'est vrai que je me rappelle aussi que quand tu montes en C10, en carcasse, ça te fait monter d'un niveau. Donc tu peux aussi passer en peine grâce aux carcasse, mais je ne sais pas combien il en faudrait par contre. Je ne sais pas combien ça coûterait. Franchement, il faut vraiment calculer en fait, c'est vraiment ça le délire. Car... Ouais. Parce que là on peut pas trop en faisant le calcul, oui certainement les trucs qui sont bien plus certainement des trucs qui sont plus intéressants, et bon, au final peut-être qu'on n'a pas l'impression d'être gagnant au début, mais au final tu vois, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des trucs qui soient vraiment plus intéressants. Ça doit se valoir quand même un peu, tu vois, mais il y a quand même moyen de gagner, je pense, d'une manière plus que. Oui, je pense. Faut calculer. Carotte spéciale. Je calcule tout. Même le casque de griffon, je pensais, quand tu vois le prix des casques de griffon, un casque de griffon en tête, c'est 2 milliards. En tête, hein. Les autres ils sont à 1 milliard.
Mais les hurons, c'est pareil, hein. Les hurons, c'est tout, tout une blinde, quoi. Ça coûte plus cher que les autres, ça c'est clair. Rose, mon gars, là-bas, mon petit lapin, pour y aller, faut avoir les couilles accrochées. Hein. Ah, c'est PVP, 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 PVP. C'était la guerre. J'ai farmé avec un Français. J'avais mis un message dans le chat. Et du coup, c'est un Français. Bah, il me fait bien et tout. Enfin, il me met ça en anglais, bien et tout. Je t'attends là-bas. J'y vais, mon gars. Ah, c'était tendax. Ah, c'était tendax. Les mecs, ils te PK, mais gratuit. Il y avait la guilde plèbe. Je sais pas ce que je leur ai fait là-bas. Ah, ouais. À mon avis, c'est les strikers qu'ils aiment pas. Tu vois. Les mecs, ils s'en prenaient qu'à moi. Qu'à moi, qu'à moi, qu'à moi. Alors, j'ai réussi à en tuer quelques-uns. Mais il y en a un là. Un mec qui s'appelle. Il s'appelle Milf Alpen, il m'a détruit, je me relevais. C'est la Nova, quand elle a son bouclier, elle a des petits mobs en face d'elle. Ouais. Des espèces de chevaliers, je sais pas si tu te rappelles là. Ça me dit quelque chose, ça, ouais. Ouais, mon gars, le mec il était tellement puissant que c'est même sans me taper, truc. Juste ses mobs, il me tuait, c'est quoi. C'est ça qui te... Après, le mec, je lui ai envoyé un message, j'ai fait putain, mais combien t'avais daté comme tout aussi facilement? Et le mec, il me fait, j'avais 600, bah, en gros, il avait 660 de GS. Là, la photo que tu m'as envoyée avec le gars full pen, j'ai compté, il était pas loin des 700. Alors, je sais plus, c'était 680 ou 690. Ah, tu vois, je comprends pourquoi tu m'as détruit, quoi. J'aime bien le mec qui me fait, oh, tu sais, il y a rien de personnel, hein. Il me fait, c'est juste que depuis la sortie de la nouvelle zone, la Puntuka, là, les gens, ils s'enflamment tout de suite, pour rien, il y a des guerres dans tous les sens, j'ai envie de dire, ouais, mais enfin bon, mec, t'es gentil de me dire ça, mais... C'est pas une raison de sauter sur des inconnus comme ça. Ça participe un peu au carnage. Que des plèbes. On farmait dans une zone, et en fait, un peu plus bas, t'avais une espèce de couloir. Tu voyais les mecs dans ce couloir, mais c'était la guerre. C'était la zone PVP de la zone. Toute la guilde de plèbes, ils étaient en karma négatif. J'ai quand même réussi à en fumer un à plusieurs reprises. Et dès que je l'ai fumé, le mec, ouais, bah, j'étais avec le Français au début. Je le vois, le Français, il se fait défoncer. Mais bon, putain, il s'est mis en mode PVP, tu vois, il a défendu la zone. Je me suis dit, attends, si jamais je me fous en karma négatif. Que je redescends une peine, je vais être blasé. Donc au début, j'ai pas bougé. Puis bon, arrivé à un moment donné, je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même m'aider le pauvre. Il essaie de nous défendre. Donc c'est les mecs qui reviennent. Donc là, aussitôt, heureusement, j'ai pas eu besoin d'activer le truc. Il m'a attaqué moi, donc j'ai pu me défendre. Ah, le mec, mais je vais défourailler, quoi. Il se relevait, j'attendais un peu quand même pour pas le spawn kill. Bam, 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 bam. Putain, mon gars, et allez, 5 minutes après, il a ramené toute sa guise. Voilà. Il s'est pris une branlée, il était pas content, il s'est dit, attends, qu'à mon avis, moi je pense qu'il a dû aller chercher le plus gros GS de sa guise, là, parce que c'était Alpen Mid. Ouais, direct chef, après, il y a le mec. Le chef, peut-être, ah ouais, direct il s'est foutu sur moi après, et puis que sur moi en plus. Hein. Ah bah, donc, ouais, bah c'est pour ça qu'il l'a tapé et que t'as ciblé direct. Voilà. Ah, je suis d'accord, je suis super les gars.
bah désolé, Donc là, du je suis coup, bah, ils censé nous être ont là. des... Ouais, ils nous ont... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils nous ont déclaré la guerre. Ah non, c'est bon, ils l'ont enlevé. Ah cool, tu vois, j'ai discuté après avec le mec, ils ont enlevé la guerre. Ah, c'est cool. Déjà, comme tu dis. Ah, si c'était juste histoire d'un spot, voilà. Après, c'est sûr qu'il faut pas que les autres gars de la guilde là, qui t'a pas parlé, c'est quand ils vont te recroiser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ils se disent pas, bah eh, c'est ça. regarde-le, lui, c'est vrai. Ah bah, chaque fois qu'il te croise un boss. Voilà, Oui. tu vois, y a pas de raison. Si c'est eux qui t'ont maltraité, y a pas de raison qu'ils reviennent. Si c'est toi qui les as maltraités, là, par contre, il faut la vengeance. Ah bah, disons qu'il y en a, il y en a un que j'ai pas mal maltraité, et après c'est surtout eux qui m'ont foncé. Ah, j'en pouvais plus, j'étais mort, quoi. Mais bon, vu la GS aussi, le mec, quand je lui demande 660 GS, le bordel. Je vois, d'accord, en fait, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Je lui dis, c'est mob, il me tuait, quoi. Le mob du machin, quoi. Je sais quoi ce délire. Ça en arrive là, bon. Please, treat Intuable, pets quoi. well. Je pouvais rien faire. Donc j'ai fait bon. Mais bon, on est quand même, j'ai quand même farmé pendant presque 3 heures avec le Lascar. On a tenu choc, hein, on a tenu choc. Hein. Ah, je la voulais, ma flamme. Mais bon, j'ai pas eu, je l'ai pas eu, quoi. J'ai pas eu. C'est pas grave. Ah, on va finir par tomber, après c'est pas une équipe de vrai, vraiment. Flowers are the tools, right? Comme ça. I have a tanning C'est pas une knife. équipe de Why vrai, don't you go get some parce furs? que bah, là-bas, je suis pas trop de niveau, on va dire, mais. Mais bon, à force d'insister, ça Ah finira par oui, à tomber, une quoi. tout cas là, ah, c'est vrai qu'il tape assez fort. Il tape assez fort. Les vêtements de Manos, là, c'est. Pourquoi je les trouve pas ici? T'as vu que tu peux les dropper dans certaines zones? Bah non, mais déjà je sais pas où on les achète alors, comme ça là, déjà. La meuf elle les vend pas là, Bélia. Zara là, Zahira. Ah ouais? Ah bah tiens, le gars, je suis à côté. Regarde, j'ai ressorti la bête. D'accord. Ah oui, bah si, ils nous ont filé 500 trucs de Marnie là. Oui. Mon gars, mais avec 500 trucs de Marnie, j'ai regardé et je peux tag tous mes persos, quoi. Donc apparemment, Ah, le vous avez Berserker, il a eu un énorme boost de dégâts. Donc je me suis dit, bon, on va voir ça. Comme j'aime bien le Berserker, les Strikers aussi, mais putain, à chaque fois que je sors, je me fais bolos. Alors... Non, mais apparemment, le Berserker, là, j'ai regardé un peu sur Internet, enfin, il aurait eu un putain de boost de dégâts. Donc, putain, si c'est le cas, tant mieux, quoi. Parce que c'était vraiment ce qui lui manquait, quoi. Carrément. Ben, si tu vois qu'il y a une différence flagrante. Regarde, parle à Jetina là vite fait. C'est quoi les quêtes les deux dernières qu'elle nous donne tout en bas? C'est pas déjà la pierre de reconversion niveau 1? Déjà de base? Qu'on n'aurait pas besoin de la faire en fait. Non, 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 c'est le cristal qu'on a besoin Il faut un pour cristal. pouvoir la faire. Oui, c'est un cristal que D'accord. elle donne. Donc là, il faut d'abord que je prenne quoi comme mission là? Que je prenne celle-là ou que je prenne. Ben, ça dépend ce que tu veux, si tu veux faire une arme en peine ou une armure en peine, parce que tu as vu, elle propose les deux. C'est quoi que tu me Propose conseillerais l'arme, pour moi? bah ça dépend. Mais t'as vu qu'elle propose aussi casque resplendissant, arme resplendissante. Bah ouais, c'est quoi la différence À mon resplendissant? avis, bah, je pense que ça c'est pour. T'as vu, il te donne. Je crois qu'elle te donne quand même un casque en tête, on dirait. De base, elle te donne. Alors, Jetina vous dit que si vous lui donnez un casque rempli de blessures glorieuses, elle vous donnera un casque resplendissant. Mais qu'est-ce qu'elle l'appelle chez moi la dernière fois, Faut peut-être faire d'abord. c'était par rapport à
au stuff Tuvala. Ouais, mais là, regarde, là, elle propose des armes être imparfaits, hebdomadaires. À mon avis, est-ce qu'il faut pas faire des quêtes hebdomadaires pour ensuite récupérer un casque, par exemple, ou une pièce quelconque, et ensuite lui amener cette pièce pour qu'elle la transforme en resplendissant? Et qu'en fait, au final, il y a juste besoin de faire les missions hebdomadaires sans avoir à faire quoi que ce soit. Juste les refaire jusqu'à ce que ce soit nécessaire, enfin, jusqu'à ce qu'on ait ce qu'il faut, quoi. Et tu vois, et ensuite, une fois qu'on a récupéré bah, la récompense, là, on lui donne pour avoir le resplendissant. Ça, non, ça te paraît pas. Hein. Là, sincèrement, eux, ils se basent. Faut que je me renseigne. Faut que je me renseigne. Bah, le problème, c'est que c'est elle qui donne la quête des 1500, non? Oui, c'est elle, ouais. Non, non, toi, ce qu'il faut que tu prennes, c'est là, si tu veux transformer ton armure, par exemple, bébé tête que tu as déjà en tête, parce que ça marche aussi, je crois, avec une armure qu'on a déjà en tête, il me semble. Ouais. Là, je peux la transformer en peine tout de suite, là? Ah ben, pas tout de suite, non, pas tout de suite, les gars, ça serait trop facile. Il faut d'abord que tu fasses les quêtes, être imparfait, esprit des armes et des têtes, qui va te donner des cristaux que tu auras besoin pour faire le truc. Il faut d'abord faire une pierre, faut faire 5 pierres de reconversion en tout, j'ai regardé. Ah mais non, les gars. Là, c'est la pierre de reconversion resplendissante, vous pouvez libérer le potentiel de l'équipement. Là, quand tu fais les quêtes resplendissantes, la récompense de quête, c'est une armure en tête, direct. Je crois pas, mais appuie sur resplendissante, tu sais, tu vas jusqu'au bout pour voir le loot sans la valider. Et regarde ce qu'il te... J'ai regardé. Mais le problème, c'est que quête peut être resplendissant, moi, je l'ai faite, celle-ci. Ouais. Et ça m'a demandé de donner mon Tuvala. Alors attends, cette quête peut être effectuée une fois par pièce d'équipement et par famille. Une fois par pièce d'équipement et par famille. Bah, prends-la, au pire, et tu verras ce que ça te dira. Au pire, tu l'annuleras. Ben voilà, ben là déjà, c'est en train de me dire, grâce à la pierre de reconversion resplendissante armure, vous pouvez libérer le potentiel de l'équipement de boss obtenu en récompense. L'optimisation normale pierre de Cafras et l'inscription au marché sont impossibles avec l'équipement de boss obtenu. La fenêtre de dialogue pour rendre l'objet à Gétina démarre lorsque vous possédez un équipement qui n'a pas été optimisé avec des pierres de Cafras. J'ai bien l'impression qu'elle te donne une armure quand t'as fait la quête. D'abord, si je parle des armes de... Attends, qui font les magies qui a été créée. Ouais, voilà, ça serait top. Bah là, l'hebdomadaire. Ça serait bien pour ceux qui n'auraient pas fait la saison, quoi, par exemple. Bah ouais. Voilà, parce que là, l'hebdomadaire, elle te donne 115 cristals comprimés. Oui. La responsable de la guilde d'Avélie nous donnera un cristal comprimé si vous voulez. Alors que l'autre, elle te donne clairement une pièce d'armure. Vu que moi, je ne l'ai pas récupéré, ma pièce en tête encore. Bah, les cristals comprimés, c'est pour justement pour pouvoir la passer en peine après, garantie. Ah ouais, bah c'est pour ça, c'est parce que j'ai pas récupéré mon armure en tête, enfin ma pièce en tête encore. C'est pour ça que moi je laisse. Le Tuvala, grâce au Tuvala. Bah je sais même pas si c'est grâce au Tuvala ou quoi, mais. Enfin ouais, je sais pas. Si. Là, il me propose pas de donner du Tuvala en fait, c'est ça qui est bizarre. Peut-être que vu que la saison est finie. Il la donne comme ça, je sais pas. Ah bah oui, la saison est finie, mais peut-être qu'il la donne comme ça justement pour les mecs qui ont pas soit quand on fait la saison, soit. Ah bah du coup je prends quoi en tête là? Parce que l'esprit des armes, c'est ça. Je l'ai déjà. C'est ouvert, ça vaut pas le coup, couteau. Telle est la question. J'en ai à l'appel. Beg. Bah, de toute façon, c'est ou Beg, ou Giat, ou Rubron. C'est plus intéressant. Oui. Beg. Ouais, mais t'as vu que t'as aussi le casque de Griffon. Bah non, moi ça me propose pas, justement. Ah ouais? Ouais. Ça me D'accord. Propose, ah ça, bah c'est peut-être si ça, me... alors. C'est si, peut-être si. Qu'il le donne, alors, à la place... Bah voilà, ça me le propose, mais que pour récupérer les cristaux. Mais ça me propose pas de me le donner comme ça, quoi. D'accord.
c'est dommage ça. Bah dans ce cas, je vais prendre les rubans, hein. Moi aussi, pas le choix. C'est le plus rentable, hein, de toute façon, au final. Même si je pourrais pas les vendre, au pire, je les garderai pour moi Et je vendrai les miennes. Parce que t'as vu, on peut pas mettre de carcasse et on peut pas les vendre. Bah c'est ça. Donc ouais, ce sera des trucs que je garderai de base pour moi. Et dans ce cas, le plus rentable, c'est vendre les rubans en tête, après. Écoute, je vais essayer avec les hurlons, je vais voir ce que ça donne. Putain, je me tâte. Ah ouais, la question est assez difficile. Franchement, ah, c'est sûr, ni ouvert, ni couteau, ni bêtette. Ça, c'est sûr. Alors après, beg, ça vaut pas grand chose, donc je pense pas. Après, c'est une diate ou le bon. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas le griffon. Écoute, là, c'est tant pis le rubon, on va s'arrêter sur le rubon. Déjà, ce qu'ils vont me la donner là, comment ça va marcher, ça, cette histoire. Alors, si je prends la quête, nouvelle quête, ok. Alors, il faut que donner les chaussures du rubon tête à Gétina. Attends. Ah, donc, c'est bien qu'il semblait, que gars. Et donc elle va faire quoi avec mes chaussures? Elle va les rendre, je dis. Non, il faut que tu donnes. Non, il faut que tu. Que toi, tu donnes tes chaussures ouais, du rubon. Voilà. Mais elle va en faire quoi? Bah, elle va te les mettre en. De façon à ce que tu puisses. Elle va te les redonner en tête, mais ouais. Transformable en peine garantie. Ah ouais, mais je peux rien vendre derrière au final. Bah, au final, si tu donnes ton truc, on peut rien douter. Tu peux rien vois, j'étais pas sûr. Il faut avoir un double, en fait. Et même le double, ouais, si, il faut avoir un double, finalement. Bah, disons que ça te permet de transformer, si t'as déjà une armure en tête, ça te permet de pouvoir faire la quête du peine garantie, quoi. Bah, du coup, je le fais quand même sur mes rubans. Ça change rien, au final. Tu les as déjà en tête tes chaussures? Ouais. D'accord. Oui, bah, je pense que le mieux c'est d'abord de les faire sur tes rubans. Ouais. Après, l'armure, honnêtement, vaut mieux la garder avec des carcasses. Bah oui, pour pouvoir. Pour l'armure du vieux dessus. Exactement. Les rubans, c'est pas prévu qu'il y ait des chaussures comme ça, mais par contre, l'armure, ouais, ça c'est sûr que c'est prévu. Enfin, voilà quoi. Après c'est vrai que les rubans pour pouvoir les monter en carcasse, c'est peut-être un peu fin. Oui, ça, mais, ça, mais quand mets, oui mais par contre, rassure-toi, on peut pas les carcasser, mais quand on met les pierres de reconversion, c'est comme si ça les carcassait. Parce que ça rajoute des trucs. Ça les met à fond ensemble, en fait. Ça, c'est à vérifier, ouais, c'est à vérifier, mais moi j'ai regardé un peu la fiche là pour les armes, et pour les armes, ça a l'air de rajouter des trucs en plus par rapport à une optimisation normale. Donc c'est mieux de faire comme ça au final, de prendre le rubon et de faire ça. Toi tu vas faire quoi du coup? Tu vas le faire avec tes rubans aussi? Moi je vais le faire avec les rubans. Et t'en as une deuxième paire de rubans ou tu vas le faire avec les siennes? Bah moi j'ai les tubes à là, moi j'ai juste besoin de donner les tubes à là en peine, tu vois. L'avantage quand t'as fait ta saison et t'as monté tes tubes à là en peine, bah au lieu de demander tes propres chaussures à ce que t'as, bah ils te demandent juste les tubes à là. Ah putain, et tu crois que je pourrais peut-être encore monter des tubes à là si je les ai en tête? C'est encore jouable. Si t'as les pierres, oui. Si t'as les pierres, je sais pas ça si ça redescend les tubes. Pierres. Ça peut redescendre en terre, en penterie et tout. Quoi. Je me rappelle plus comment ça marche. Ah bah ouais, ça redescend quand même. Ça redescend quand même. Ouais. J'ai d'utiliser des conseils de Valks pour ça. Quoi. Putain. Déjà, il faudrait que tu regardes si t'as encore les pierres. Ouais, alors attends, on va lever la mission.
chaussures, il faut que je donne des chaussures en pelle, c'est ça. Je donne des chaussures, tu vas là en graine. Oui, oui, oui. Je les échange contre les... Elle te donne en tête. J'espère. Oui, ou sinon je le fais sur le marron ou sur une caisse côté, je vais voir. Mais moi ce que j'avais fait Ah là déjà ça fait longtemps que j'ai pas été sur mon personnage saisonnier, donc je sais pas ce qui me reste, je sais pas ce que j'ai dans mon coffre. Déjà j'avais arrêté de le monter, tu vois. Et du coup ça se trouve, j'ai même pas de... C'est quoi comme pierre? Je m'en rappelle plus. Mais là, c'est des pierres... Ouais, je m'en rappelle plus trop. Ouais. Ah si, c'est les pierres qu'on fait. Qu'on récupère pendant la récolte. Non, ça c'est pour monter les objets de récolte. Non. Non, c'est ça, c'est ouais. Putain, déjà je suis... Ah merde, je m'en rappelle plus comment on fait, putain. Non, mais c'est des pierres de Tuvala, hein. Ça s'appelle des pierres parfaites. Non, parce que t'avais les pierres parfaites. Ouais. Et t'avais les pierres, je sais plus quoi. Là. T'avais les pierres parfaites pures, je crois, pour pouvoir optimiser à 100% jusqu'à un certain niveau. Et t'avais les autres, mais les autres, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle. Non, ça c'est des pierres pour passer de plus 13, plus 14, plus 15. C'est les bleus. Les bleus magiques stabilisés. Ah putain, je croyais que c'était ça, parce que j'ai pas vu les rouges ni les noirs, alors pas dans mon truc, et vu que je les mets toujours ensemble, je me suis dit, ça devait pas en être une. Et en fait, si, je sais pas ce qu'elle fait là pour ça.
truc d'entraînement, mais de 24 heures. Ça, c'est un peu galère, ça. Ça, quand tu sais que tu vas pas jouer pendant 24 heures et que tu es sûr que ta console, elle va pas planter pendant 24 heures quand tu toucheras à rien, et que... c'est la mission. T'aurais pu l'échanger contre un truc de boss en tri, quoi. Ouais. Mais après, est-ce que je pouvais le monter quand même en peine, le truc? Oui, c'est après, celui qui te donne, normalement, c'est un normal, je crois. Parce que sinon, là, j'y vais, tant pis, je l'échange du tri, au pire. Ça sera toujours ça de prix, quoi, au final. Ouais, mais faut que tu puisses pouvoir l'échanger. Bah, écoute, je vais aller voir. À moins qu'il y en ait une ici, il doit y en avoir une, Jetina.
fait voir Jekina et puis l'autre, c'est les lunettes, là, une espèce de sphère, là, c'est les lunettes, là. Un gars de la vieille lune aussi, là. Arme d'éveil, renforce-la par optimisation. Pour améliorer ton arme, tu dois pouvoir utiliser des pierres noires. Nevo Murana dit que vous pouvez optimiser, vos armes avec des pierres noires. Voilà, mais c'est quoi ça? C'est le quête de tout début, ça. Des pierres de transformation de Manos. Voilà pourquoi. Altanova is full of barbarians. I hear that Neruda Shen approved the barbarians to live here. And I hope it's not true. We are Rutans. Totally different. Ah, tu m'as dit, elle est à côté de qui? Jekina. What is it? What are you looking for? C'est Jekina et puis c'est un espèce de bouc, enfin un bouc ou un cerf qui est à côté, pas très loin du moins. Thank you.
étape en tête et une autre étape en peine. Déjà l'étape pour la passer en peine, je pense que ça va pas être simple. Et si en plus d'abord faut que je la fasse en tête, c'est la catastrophe. Ah le Jetina là, voilà. Alors fais voir copine, qu'est-ce que tu proposes toi? Ah ben elle propose même pas les trucs resplendissants avec celle-là. Ah bah si, le nouveau. Tu l'as trouvé l'espèce de cerf là? Là j'ai trouvé Jetina. T'es où là? T'es à Altinova? Ouais, 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 ouais. Le cerf il est en face du palefrenier. D'accord, je vais essayer de la trouver. Déjà je vais voir si je peux. Pas ou à côté. Attends, j'abandonne la quête des chaussures. J'espère que je pourrai la reprendre, ça va pas faire trop bizarre. Ah ouais, bah non, mais ça marche pas, putain. Je peux même pas échanger contre ce que j'ai comme chaussures là et tout, donc voilà. C'est trop tard, on a dit. Même les têtes là, je peux plus les échanger contre du tri. Comme ça. Ouais, mais ça, pour faire ça, généralement, il fallait acheter avec les coquillages un truc d'échange. Un ticket d'échange. Il me semble. D'échange de quoi? Parce que j'en ai trois. Ah non, mais va parler à l'autre. Va parler à l'autre. Le cerf, je vois pas de quel cerf tu parles. En face du palefrenier. Juste à côté. Juste à côté. C'est un mec qui est en train de lire. I can't hear well since I was kicked in my ear by a horse. Ah oui, le chef de guilde de marchands des corbeaux, Fougard. Voilà, Fougard, ouais. Cadeau spécial saisonnier. Échange. Ah, je peux échanger des pierres noires pour aller là. Ouf, ça m'intéresse pas. Le cadeau spécial saisonnier. Coupon d'échange en possession zéro. Ben Bundo. Remplissez les prérequis de la saison la plus récente pour avoir une peine de capotière en boucle d'oreille. C'est quoi ça? Ouais, on l'a déjà eu ça. Ah, bah, pas moi. Hein. Tu l'as pas eu ta boucle d'oreille de capotière en peine? Bah non. Ça m'étonnerait. Hein. Ah bah c'est moi, est-ce que c'est mon perso? Mais... parce que je peux rien faire d'autre avec lui du coup. Ah bah tu ne proposes rien, c'est que tu peux pas. Et les cheveux occultes, ils te proposent rien non plus? Et t'as cliqué sur la lettre du GN? Où ça? Avec mon autre perso? On a reçu une, ouais. Ah, pas encore. D'accord. Enfin, j'avais cliqué la première fois, mais je pouvais pas, quoi. Ça avait rien fait? Non, au début, je pouvais rien faire. Pourquoi? Ben, je sais pas, non, parce que moi aussi, j'ai cliqué dessus. C'est peut-être ça, je me dis, c'est peut-être ça qui m'a débloqué la suite de quête. Mais bon, c'est pas sûr. La suite de quête, pourquoi? Ben, peut-être pour échanger mon matos. C'est trop le bordel, je comprends pas tout. C'est trop le bordel, il y a trop de trucs, c'est pas très clair, je comprends pas bien ce qui se passe là. L'esprit occulte, il m'a donné une extension d'inventaire plus 2, un costume, des soldats, le cerf et le
right place for them. Because of its climate.
Et tes 1500, ouais, du coup, tu les as fait? Non. D'accord. Bah, je vais regarder, je pense pas que je les ai fait moi non plus. Enfin, c'est bizarre, j'avais une quête de basilic qui était lancée ou validée. Alors, je crois me rappeler que tu m'avais dit d'aller faire les 1500 en basilic, parce que du coup, il y en avait que 500 à faire, je crois, un truc comme ça. Et du coup, je crois que c'était là que commencer la quête, tu vois, et que je t'avais pas fini. Il me semble que tu m'avais dit d'aller au basilic, alors je sais plus pourquoi. À la place du croissant, tu vois. Donc il y avait un truc à choper au basilic d'intéressant. Enfin, je sais plus pourquoi tu m'avais dit d'aller farmer au basilic. Est-ce qu'on pouvait choper des pierres de Carfas, quoi? Oh, je sais pas, c'était juste pour du Carfas, tu vois. Ouais, mais les centaures, ils ont augmenté les tokens de tous les mobs de Valentia, les gars. Bah ouais, personne n'a les centaures, ouais. Les centaures, 20 000 le token. Ah ouais. C'est même mieux que les Miru, là, du coup. C'est plus intéressant que les Miru. Du coup, ouais. Des fautes partout. On verrait qu'il écrit langage SMS. Et là, tu vois qu'il essaye de bien écrire tout le reste. Il écrit peau avec un roux. Donc, il a essayé de tout écrire correct. Et pour ça, c'est pas possible. Un thème là. Deuxième qui passe. Passer, là. C'est le deuxième qui passe. Ah ouais, ouais, tout à l'heure aussi, il y a eu une ceinture de Tungrad qui est passée en thème aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de bijoux peine qui passent que quand on jouait à l'époque. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je trouve que c'est vraiment bizarre qu'il y ait autant de peine en bijoux qui passent. Bah non, mais c'est les nouvelles zones. À mon avis, vu qu'ils ont mis des nouvelles zones, si les gens ils peuvent pas aller dedans, ils ont vite lâché l'affaire, quoi. Donc, je pense qu'à mon avis, ils ont peut-être augmenté un peu le taux de passage. Ouais, pour
apparemment le Berserker ils l'ont remanié là, ils l'ont remanié d'une bonne puissance. Apparemment en succession tu peux rester en mode bestial mais vraiment tout le temps, donc ça c'est cool. Et ils ont augmenté tous les dégâts. Donc a priori, c'est Gust au début qui m'a dit, il fait par contre, ce que je lui avais demandé, ce qu'il avait de nouveau, il me fait gros boost. Le premier truc qu'il m'a dit, gros boost sur le Berserker, je fais ah, ça m'intéresse, c'est une classe que j'ai joué. Mais bon, j'avais vite lâché l'affaire, hein. Pas assez de dégâts, machin, t'as l'impression de taper des grands mousses, quoi. Mais c'est tout quoi. Ah, c'est sûr que moi déjà je joue pour je galère. Un Golgoth ou c'est. Golgoth en mousse. Golgoth Michelin. Non mais tu sais, tu joues une grosse brute mon gars, c'est le plus gros des persos de tout Berserker. T'as 5000 points de vie, sans déconner, mais tu prenais autant. Enfin, ma barre de vie, elle prenait autant de dégâts que moi qui avais 5000 points de vie, que ma mage qui en avait 3000, quoi. Tu te dis, il y a un problème, quoi. C'est quoi ces 3000 points de vie, quoi.
animaux, des auras. Sur 2 Caranda, j'ai 6 cristaux, 6 auras, je crois, 6 cristaux. Bah ouais, ça tombe quand même assez. 3 par 3, ça aide. Qui veut passer sur mon Twitter et me faire un don de 100 000 dollars sur mon Twitch plutôt. Ouais. Mais tu sais qu'il y a, un mec qui s'appelle Beast aussi dans BDO. Ah ouais. Ouais. C'était lui? Ben, je sais pas, parce que franchement, le mec Beast dans BDO, ça a été un des premiers à être énormément stuffé. Vraiment énormément, tu vois. Parce que MrBeast c'est le plus grand youtubeur du monde. Et, ah oui? Ouais, américain, là, c'est le gars qui fait des trucs. Chaque vidéo c'est 80 millions de vues, 70 millions. Le gars il a 6 chaînes, et 6 chaînes, il a des plus. Sur chacune de ses chaînes il y a plus d'abonnés que Squeezie. Et sur sa chaîne principale il a 92 millions d'abonnés, je crois. Ah ouais? Donc, une fois dit la France presque. Et le gars il fait. Ah, là, il pèse, il a ouvert une enseigne pour faire des burgers, il a je sais plus quoi son nom, il gagne des millions et des millions d'euros par mois. C'est hallucinant. Des millions de dollars par mois. Juste grâce aux vidéos, plus son business qu'il fait à côté, là, c'est le plus grand youtubeur du monde. Ça te donne une idée, quoi. Le gars, pour faire une vidéo par exemple où il a reproduit Squid Game en version réelle, il a dépensé 3 millions et demi de dollars pour faire sa vidéo. Tu vois. Donc le gars, il peut se permettre de foutre 3 millions et demi pour faire une vidéo. Donc ça te donne l'idée combien il gagne tous les mois. Quoi. Mais, non, c'est le gars qui faisait des jeux, du coup, il prenait 1 million de dollars en billets de 1. Et il prenait de ses abonnés et il les invitait, il leur disait que vous êtes 10, et bien, tout le monde pose sa main sur le million de dollars, et même si ça prend des jours, ben, c'est le dernier qui reste la main posée dessus qui le gagne. Putain, tu vois, et il faisait des jeux comme ça, et c'était des heures et des heures où les gars ils restaient bloqués avec la main posée dessus. Des fois il l'a fait avec des Lamborghini, des fois il est arrivé chez son 3 millions d'abonnés, 4 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, il débarquait chez l'abonné et il déposait 3 millions d'un truc, 4 millions d'un autre truc, 5 millions. Enfin, il a fait des trucs. Il a fait des trucs. Il y a tellement de streamers, et t'as vu, tu l'avais vidéo, tu l'as regardé au fait, ta vidéo que je t'avais envoyée l'autre jour, c'est sur les streamers qui pètent un câble parce qu'ils sont débordés de travail. Ah non, ça bah t'as le mec là, Psyodélique là, ouais. il avait fait une enquête sur Netflix, sur Twitch, et en fait, sur Twitch,
il y a 95% des streamers qui n'ont que à peu près entre 5 et 10 vues par vidéo. 95% des streamers, ce qui veut dire qu'il y a 5% des... Quand même que c'est plus que ça. Enfin, c'est moins que ça. C'est qu'il y a 5% des streamers qui vraiment partagent le gâteau. Il me disait que 95% des mecs qui ont une chaîne sont pas 5, 10 vues. C'est vraiment des chiffres... De cacher ton nombre d'abonnés au début, parce que quand les gens ils voient qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, ils s'abonnent pas. Donc du coup, ils s'abonnent qu'aux chaînes où il y a beaucoup d'abonnés. Donc, c'est complètement débile, tu vois, parce qu'au final, ceux qui n'ont pas d'abonnés, ben, ils n'en ont jamais. Mais ou alors il faut qu'ils fassent un buzz, tu vois. Et il n'y a que en faisant un buzz ou une grosse vidéo qui marche, ou tu vois, un truc que YouTube doit mettre en avant pour X raisons. Là, ça peut te lancer. Mais sinon, c'est pas jouable. Moi, ma vidéo de BDO, je sais pas combien elle est montée de vues, mais la dernière fois que j'ai regardé, elle était montée à presque à plus de 40 vues, je crois. C'est la première fois que je fais autant de vues. Bah, c'est pour ça, faut que tu regardes la différence sur celle-là et les autres, et que tu essayes de reproduire ça. Et tu essayes de voir le jeu, de la poster, l'heure, les mots-clés que tu as mis dans le titre, la durée de ta vidéo. Enfin, tu vois, il y a plein de critères qui rentrent. Déjà la qualité est un peu mieux que d'habitude. Là, maintenant je mets mon bien de téléphone à un bon endroit, la qualité, je sais pas, la longueur peut-être. C'est quand même des vidéos de 5 heures hein, quand même, hein, donc c'est pas rien. Après, est-ce que je pense que les gens. Ce qui est bizarre, c'est que les deux streams que j'ai fait, dès le début, j'avais un viewer. Donc je me demande si en fait Perladu. Il regarde pas, tu vois, c'est un des premiers partenaires, en fait. Ce qui est bizarre, c'est que sur mes deux streams, c'est Desistero. Il est encore sur BDO. Et là, lui, il est dans les tureaux, là. Il a une ceinture. Moi, je pense plus que c'est des bots qui se mettent automatiquement. Et tu vois, pour justement checker si c'est pas des streams chelous, tu vois, des bots de oui, censure. Mais les bots, ils restent pas longtemps, justement. Et moi, ils sont restés tout le long. Hein. Ça, après, si, déjà toi, si tu te regardes, ça te compte. Ah, mais non, mais justement, moi, je me comptais pas. Moi, j'étais pas connecté. Moi. Et quand je me suis connecté, après, on était deux. Je sais pas. Moi, des fois, ça me le fait aussi, et des fois, non. Alors c'est pour ça que je sais pas. Moi ça me l'avait jamais fait avant que je fasse BDO. C'est pour ça que je me pose la question. Moi ça me l'a fait sur d'autres jeux. Moi ça m'avait fait sur One Piece, ça m'avait fait sur The Last of Us aussi. Moi je sais que comme BDO souvent ils regardent. Les créateurs de contenu. Imagine déjà le nombre de Coréens qui sont sur BDO. Plus les Américains, plus les Européens, plus... Justement, il n'y a pas tant de gens que ça sur BDO que gars. Il n'y a pas tant de chaînes que ça. Sur Twitch, ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Sur Twitch, parce que je sais pas sur quoi ils streament les Coréens. Ils ont des trucs spéciaux, tu sais, j'aimerais bien y accéder, justement, ça. Je suis sûr qu'en allant streamer, justement, chez les Coréens, ça va être plus vu, parce que, tu sais, les Coréens, ils ont marre de voir. Peut-être qu'il y a... Moi je suis abonné à plein de Coréens sur Twitch, il y a des trucs où j'utilise des apps spéciales pour tout. Moi, c'est ce que je me suis dit, après je me trompe peut-être. Je pense pas que dans la vie, tu vois, il se casse la tête comme ça. Déjà, il frotte je sais pas combien de personnes, tu vois, comme ça. Déjà, c'est énorme. Moi, je pense plus que c'est des délires de Twitch. Alors, lesquels, je sais pas. Mais je pense que c'est des délires de Twitch.
Ou alors c'est quelqu'un Bizarrement, les deux fois où ça m'a fait ça, j'ai énormément de vues, tu vois. C'est bizarre quand même, quoi. Après, moi, je pense que c'est même si après, ça m'avait redirecté. Ou proposé. Ah, bah, proposé, oui. Si tu me dis que je veux dire, pas grand monde sur BDO, et que oui, ça, c'est... Et c'est le titre aussi accrocheur. Enfin, je te dis, le titre, mec, ça change vraiment tout, quoi. C'est, si tu mets le bon titre au bon moment... Ça peut être intéressant, quoi. Et vu que là, il y a la nouvelle update, tu vois, en plus sur PS5. Bon, et puis je suis sûr qu'il y a des gars qui t'ont suivi grâce à Dark Souls. Parce que tu faisais pas les vues aussi sur Dark Souls. Il y avait toujours quelqu'un qui regardait dès le début. Donc à mon avis, ça, je pense qu'il y a des gars qui sont pas forcément abonnés, mais qui se rappellent de ta chaîne, tu vois, qui viennent jeter un coup d'œil des temps en temps. C'est comme ça de toute façon que j'aurais continué toute la semaine. La régularité, ça rapporte de l'argent, mais je sais pas comment ça marche l'argent sur Twitch en fait. Putain, je me fais là. Je suis chier. C'est de magie noire. Ça c'est bon. C'est toujours ce prix. Voilà, exactement. Mais ouais, non, moi, tout ce que j'ai d'intéressant là, c'est une pierre pure. Et une mer cristal de couteau. Des cristaux rouges, bleus, jaunes, des saphirs, des topazes, putain, ça y en a. Ça y en donne, ce con. Ça va, y'a pas de souci. Mais du coup, tu vois, les 1500, j'avais bien pris la quête, et c'est bien en basilic. Ah oui. Non, mais je vais te donner un coup de main, ça drop bien les 4 phrases, le bot, t'inquiète. J'avais essayé de le faire tout seul avec le striker, mais solo, les statues là. Ah non, c'est pesant, mais ce qu'il y a, c'est que tu sais, t'as une grosse statue qu'il faut détruire pour faire apparaître un élite. C'est le nouveau truc, ça, c'est vrai. Ah oui. C'est peut-être pour ça que tu m'avais dit de le faire, parce qu'il y avait moyen de dropper des trucs intéressants. Ah bah, moi je sais que je t'avais dit de le faire pour les cafras, parce que c'est une bonne zone où on droppait pas mal de cafras pendant la saison. D'accord. Donc, je pense que ça va pas bouger. Mais vraiment, les zones de Valencia, j'ai regardé le croissant 10 000, les fogans, tu sais les fogans? Ouais. 15 000 les tokens. C'est qu'ils veulent encourager les gens à refarmer certaines zones et en même temps leur donner de l'argent pour qu'ils puissent acheter des armes et mieux se stuffer. C'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de gars là, qui sont bien chauds, là, tu sais, qui ont beaucoup de gros GS ou des AP à 300 ou sur la défense à 330. Je suis sûr que c'est pour ça, quoi. C'est là vraiment être significatif. Bashim, ça va pas bouger. Ah si, attends, les Bashim, 14 800 tokens. Valet Titium, 14 500 tokens. Les Nagas du désert, 12 700. Les Waragons, 10 000. Les Bandits de Gaz, 16 100. Les quadris, les gars, les quadris, 15 700 de tokens. Le croissant, 10 000. Les centaures, 21 900 de tokens. Là, ils ont craqué. Là. Ah non, mais ça, c'est. Tu vois, voilà. À mon avis, par heure, là, on va faire du. On va faire beaucoup, là, par heure, tu vois. Pilaku, 16 400. Et les basiliques, par contre, ils les ont pas touchés, ces cons. C'est à 8 000 de tokens. Ouais. Et la mine de soufre. Tout le monde dans la game me disait mine de soufre. Tu m'étonnes, la mine de soufre, mon gars, 18 600 tokens. Après,
casque, la ligne de soufre, elle est loin, tu vois. Elle est à l'autre bout de la map. C'est ça. Tu vois, ligne de soufre, tu peux même choper des vêtements d'artisan de Manos. Ça, faut que je sache où ça s'achète là, les Manos, parce que tu vois, du coup, ce que j'ai, moi, c'est les vieux trucs d'avant, et du coup, j'avais même pas commencé à les monter, que je peux déjà les revendre, tu vois. Alors, je vous avais payé 15 millions de trucs, ça fait chier, parce que je regardais, là, tu peux les revendre 8 millions 5. Je suis un peu blasé. Je suis obligé de les revendre un peu plus du moitié prix. T'as vu, t'as une quête que tu peux avoir aussi, ça te donne un parchemin apparemment qui t'augmente ta maîtrise de profession et ton XP de profession. C'est un espèce de nain, comme ça, un nain, un espèce de petit elfe là, qui te donne ça. Putain, non, j'avais pas vu ça. Putain, il y a trop de trucs que je sais pas. Alors que je vais remettre vraiment, je vais
parti. Ah, parce que je me dis qu'on sait jamais, tu sais, elle peut mourir dans la nuit. C'est peut-être le dernier au revoir que j'ai fait à chaque fois. Bon, bon. C'est de ta grand-mère. Ouais, carrément. Donc, elle va avoir. C'est drôle de penser, toi. Ah, tu sais, elle a 90 ans dimanche. D'accord. Et voilà, le jour des élections, enfin des élections, le premier vote, c'est son anniversaire. 90 ans, elle est en 1932. Bon, ça commence à faire quoi. Donc sait-on jamais, sait-on jamais. Oui. C'est au cas où quoi. Bah écoute, du coup, là, cette histoire du Rougon, là, ça me rend triste un peu. Ouais. Je vais monter quelque chose en tête là, je veux voir, mais je vais pas la faire tout de suite cette quête là. Je vais faire les quêtes pour la pierre de reconversion déjà, après je sais même pas laquelle prendre, pierre de reconversion. Si je prends pour une arme ou une armure du coup. Mais... oui. Je pense que... Je vais voir. On va aller faire les basiliques, hein. Déjà, ce serait une bonne chose, je vais vider mon content, mon inventaire. Hop. Vider le content, je sais pas. L'accessoire en peine, c'était soit un anneau de capotière en peine type croissant, soit une boucle d'oreille. Ouais, je sais pas, tu vas finir si je l'ai fait. C'est à qui qu'il faut que j'aille parler? À que gars de Fougard là. Bah ouais. Sur la ligne de Marie.
longtemps. Je crois que c'est ça. Mais c'est possible. Regarde la suite de quêtes. Non, j'ai bien peur que ce soit uniquement pendant la saison hein, qu'il fallait faire ça avec les gars. C'est quand t'as plusieurs costumes. Bon.
peux acheter un petit. Si je peux acheter un petit collier de pleine graine en tri. Un quoi en tri? En tri, un collier, une ceinture de pleine graine. Et en tête, ça fait quoi ça? Ah, ça fait 18-18. J'avais essayé de la monter en tête, mais. Ah ouais? Je me tâte. Ouais, c'est j'ai que 100 du Festac. C'est pas mal, mais c'est pas mal. Ça ne fait que 30%. D'en avoir, combien? 30%. Ah ouais. T'as des crons? Non. Et il en faut 1300. Bah, essaye peut-être d'en monter d'abord une deuxième entrée. Ouais. Tu veux, tu vois. Si c'est pas trop cher. C'est pas donné, c'est pas donné cette bête là. Ouais. 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 Non, mais ce que j'avais pensé faire là pour essayer de me faire des sous, c'est avec mes machins là de mes sauts de sac à tout, d'aller chercher deux colliers en duo d'ogre, vu que j'ai assez pour en prendre deux. Ouais. Et puis d'essayer de les monter en tri et de les revendre. Ouais. Déjà, ça me fait de la maille. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Parce que là, la ceinture en tri, elle vaut quand même 3 milliards. Ah ouais, ah bah non, ça m'intéresse pas alors. C'est le coup. C'est le coup déjà, ouais. Tu peux t'en racheter. Vas-y pour toi. Ouais. Une dizaine en normal. Et t'essayes d'en remonter une en tri. Et te faire un bénéfice. Ouais. Tu vois. Après, faut que ça fonctionne, quoi. Faut que ça fonctionne, faut des fails stacks, quoi. Est-ce que t'as vu que tu pouvais faire un changement de compétence garanti avec le cheval? Oui. Apparemment. Là, je suis en plus 3. Et je sais pas quelle compétence... Donc
ça a dû mettre le normal aussi. Ah, la Deo S, bah ouais, je l'ai les gars, et ça m'a pas mis le normal parce qu'il est pas destiné. Je vois. Ah. Ah, elle vient. Il dit ouais, elle vient pas. Bah écoute, elle viendra après si elle veut. Ouais, mais bonne nuit. Tu vois, j'avais plus 3 en bonus en fait le stack, tu vois, pour la bourrique. Bah du coup, mon peu en fait passer le premier coup pour la palatéro S alors qu'il y avait sûrement 2-3% de chance de l'avoir, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Donc là, il te manque juste palatéro. Ouais. Alors, je sais pas contre quoi je voulais changer, par contre. Peut-être le saut, Sopo, il me semble qu'il le faut pour être destrié, je crois. Non, ça n'en a pas besoin. Sinon, il y a Cabral et Ruad que je peux enlever aussi. Ouais. Mais bon. Non, je pense qu'il faut juste enlever Sopo. Ouais, bon, ça peut trouver le niveau. Parce qu'après tous les autres arrêts d'urgence, je garde le plus rapide, je garde bon en avant, sauter immédiatement après un saut. Saute rapidement une autre fois après un saut, voilà, voilà, c'est ça que je cherche. Bon en avant. Et je vais pas la terre au normal. Et j'ai 5,38% de chance de l'avoir. Fini ça. Bah ouais, jusqu'à ce que t'aies la chance de tomber dessus. Bon en avant.
si tu le mets au nob, il n'y a pas de souci. Ouais. À mon avis, il va falloir quand même que je traverse une zone où il y a des basiliques, justement. Le cheval, il va pas résister. Tu vois, c'est bien là. Ouf, là c'est vraiment à vendre. Ah, non, mais vas-y, je te dirai, t'inquiète pas. C'est parti. Je suis avec mon travail, faut que je pense à me rhabiller parce que je suis en habillant fermier là, tu vois. Ah. Ça galère mon gars. J'ai un peu de mal. Je vais ça. Welcome to Valia. Need to use the storage? Je pense pas que le truc que j'ai là, ça va pas le faire. Les vestiges du destin. Ça sert à quoi ça? Une espèce de carte? Ouais, si on veut. Oh, c'est pour avoir juste quelques pierres de Cafras, mais vraiment pas beaucoup quoi. Ouvre une carte, puis on ouvre une autre. Non, c'est pas ça en fait. Je change contre 5 pierres de croix, 3 contre 10 trucs de valks, 5 contre un bien d'un aventurier, et 7 contre un conseil plus 50. Mais ouais, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est que ça, c'est vieux ça, c'est vraiment un très vieil event. D'accord. Je suis content, j'ai réussi à monter en palier 5, Cafras, et il est sur mon EBT. Le palier 6, ça me demande 800 Cafras. Voilà, ça pique, ouais. Donc ça m'en demandait 200 de plus que pour le palier 5. C'est le palier 5, je crois que ça m'en demandait 600, un truc comme ça. Là ça m'en donne, ça me demande 800 je crois, 800 ou 900 à peu près. Donc après ça risque de m'en demander 1100 ou 1200. 8000 je trouve que ça fait beaucoup moi. Ouais, tu me diras, je suis qu'à la moitié. Hein. En plus, là déjà ça fait 4000 quand même du coup. Ah ouais, oh bah non, c'est ça alors, hein. C'est ça. Hein. Ça fait mal. Après, l'armure du dieu désespéré. Oui. Je fais ça pour avoir l'amour de BDO. Du dieu désespéré. Donne-moi ton amour, BDO. Je te donne mon argent. Ça va. Attends, bouge pas. Reste sur la boulette. Il y a que Gadeli, moi, qui a essayé de me contacter tout à l'heure par
par bon par le truc là, Messenger, voilà. Cherchez le nom. Il a effacé le message. Ah bah c'est qu'il s'est trompé alors, ou alors ce qu'il voulait demander, c'était de lui acheter de la méta, ou qu'il essayait de me joindre. Ou... Ouais, c'est possible, je me suis dit, ça se trouve, il voulait s'excuser de l'ASCAR, puis il s'était mis dans un état de bug. Puis je me dis, pour qu'il efface le message, j'ai trouvé ça quand même assez bizarre. Moi, il me l'a fait aussi vers 13h, un message effacé. Ah bah c'est ça, mais c'est ça. Mais moi aussi, c'était à 13h30. Wow. Il m'a envoyé à 13h ou 13h15, un truc comme ça, et à 13h30, c'était effacé, un truc que j'ai vu. À peu près. Dans ce jeu là. Je sais pas quel paramètre. Demain, sa mère va nous appeler. Demain, bon, bah, mauvaise nouvelle. Elise est pendue. Ah, voilà. Le pauvre. Pardon, il est plus mal. Là. Il est plus mal. Oui, un truc de ouf. Hein. La dernière fois, j'ai vraiment cru que tu voulais rester en fait là-bas. Non, c'est pour ça que je te disais, je me suis dit, il n'ose pas me dire, tu sais. C'est le contraire. Moi, je croyais que. C'est lui, lui, en fait, il venait de me faire un 10 balles de touché en avance, tu vois. Et je sais qu'en général, je reste là-bas, je fume un joint, je bois une canette, tu vois. Voilà, parce que je sais que souvent, il déprime quand il est tout seul comme ça. Et vu qu'en plus, il n'avait pas de cap ni rien, je sais que, tu vois. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu un moment qu'il insistait vraiment, tu vois, et qu'à la fin, tu sais, il avait pris la décision lui-même, quoi, tu sais. Donc, je me suis dit, il va lui dire qu'il a attendu, tu vois, que ça fait chier d'avoir attendu pour rien, et que l'autre, tu vois, ça va... Moi, j'aurais pas dit ça, tu vois, parce que dans l'histoire, je serais passé pour un connard, tu vois. Peut-être un peu aussi. En même temps, tu sais, c'était ce qui était prévu, quoi. Donc, c'est lui qui a insisté, tu vois, qui a un peu trop insisté, que le gars, tout ça, pourquoi? Pour rester 3 heures à regarder jouer avec moi, quoi. Super. Bah, j'avoue, en plus, avec sa console qui fait un bruit de fou. Enfin, je sais pas ce qu'il a branlé hein, quand il a voulu la démonter, hein, parce que bon, moi je suis désolé, mais la mienne je l'ai démontée, il n'y a pas de vis aussi qui fait ça. Hein. Moi j'ai réussi à la démonter avec une boîte d'embout que j'avais acheté à Super U, donc je sais pas ce qu'il a branlé, mais à mon avis il devait être perché quand il avait essayé de la démonter ou un truc comme ça. C'est possible, c'est qu'il a fait n'importe quoi, et que ça c'est pas impossible, parce qu'il a déjà nettoyé. Après c'est vrai que faut des tournevis un peu spéciaux. Ouais. Et si on y retournerait, je lui dirais qu'il peut enlever le capot déjà du dessus. Il déclipse. Il est juste clipsé. Mais bon, voilà, pour le coup, j'ai compris que... dès qu'on est rentré, mon gars, cette odeur de paille. Oh là là, mais ça m'a donné envie. Laisse tomber. Quand je l'ai vu là qui grattait son petit truc, j'ai vu la coke, j'ai fait non, putain. Chaque fois. J'ai failli craquer. J'étais là, putain, je fais ça se trouve, il a payé sa paille, ça va le faire. Quand il arrive à la fin, non. Par contre, quand il vient me choper, tu peux être surpris en payer. Là-dessus, c'est pas des grosses. C'est pas des grosses. Mais il t'en est une. Mais ça me boye qu'il en a de la pas mal apparemment en ce moment. Apparemment, c'est il y a quelques jours déjà. D'accord. Mais il y en a apparemment. D'ici il y en a. Mais par contre, je sais pas les dés que tu me dis, je les trouve où ces dés. Mais ils sont offerts. T'as juste appuyé sur carré, que gratuit sur carré. Et moi ça m'a offert des fleurs de printemps. D'accord. C'est tout. Ah non mais tu vas sur aventure occulte. Tu cherches aventure occulte. C'est dans récompense. C'est quoi ce truc? Ah non,
lancer un dé toutes les 30 minutes, mais t'en as que 3 par jour par contre. Mais des fois tu peux en gagner un sur ta run. Ou même des fois tu en gagnes un, et même si tu lances et que tu tombes deux fois sur les mêmes numéros, t'as le droit à un lancer gratuit. Et Arcanas, c'est quoi? Alors quand t'as une carte d'Arcana, une carte d'Arcana, ça te permet d'avoir un bonus. Ça peut varier, c'est des bonus aléatoires. Soit ça peut être un tour gratuit, soit ça peut être deux tours gratuits, ça peut être une récompense en plus, des trucs comme ça. Ok, donc là je le lance, je lance quoi. Ouais, t'appuies sur carré, okay. Et ensuite t'appuies sur X. Que tu fais aussi. C'est vrai. Là, j'ai fait 5, ce maximum, je peux faire 12. J'aurais pu mieux faire. Mais bon, comme tu dis, des fois, tu tombes sur deux fois, enfin, sur les deux carrés, pareil, le même chiffre, et là, tu peux faire deux tours. Des fois, tu gagnes un dé en plus, donc tu peux faire un dé en plus, mais c'est aléatoire, mais des fois, tu peux faire le truc en une fois, quoi.